Et on prend lequel, les gars? 1, 2, 3, 4. On va jouer très, 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 très fast. Le 4. Allez, c'est parti. Ascension, on va mettre sans ascension, sinon je vais devoir jouer safe. Parler, transformer deux cartes. Parler tout l'or, largement. Ok, je sais pas ce qu'ils m'ont mis, on verra bien. J'ai pas d'oseille, ça, d'aller là. On va tuer des monstres. Non, on va clairement pas jouer petit. Entrer un, mourir au prochain tour. Oh bordel. Ok, pouvoir mourir au prochain tour, c'est pas mal, mais faut être sûr de kill, quoi. Sinon, c'est un peu la cringeance, quoi. C'est la cringeance. C'est la cringeance. C'est le seul jeu que j'ai pas beaucoup joué. C'est le seul que j'ai pas beaucoup joué sur ce jeu. Ok. Alors, inflige 5 points de dégâts lorsque vous attaquez cet ennemi, vous gagnez 2 d'armure. Épuisement. Pas si nul. Ça c'est le truc de gauche, j'ai hésité en vrai. Bon. Oh attends, je croyais que j'avais joué le truc qui faisait que je mourrais à la fin du tour. J'étais en mode oh merde. Ok, alors retenu 12, ouais non j'aime pas du tout. Inflige 8 points de dégâts si la dernière carte jouée est une compétence, appliquez une vulnérabilité. Ça j'aime bien. Ce genre de truc j'aime bien. Des conditions comme ça je trouve ça fort. Ah ça c'est pas mal aussi. Faiblesse c'est fort de fou. Contre les boss chiants qui me font vraiment mal. Alors, quand vous entrez dans cette position, vous gagnez X1, vos attaques, infligez 3 fois plus de dégâts, vous quittez cette position au début du prochain tour. Je n'ai pas assez de dégâts. J'ai que 27 damage, ça marche pas. Donc on va juste la jouer tranquillou. J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas très très grave. Ok, une potion, alors infliger 15 points de dégâts, piocher 2 cartes, infliger 20 points de dégâts, piocher 2 cartes, coup 2, 4 de mantra, à 10 de mantra, ajouter une perspicacité, c'est pas mal en vrai, hein. Ça c'est vraiment pas mal, ça c'est pas si nul en vrai. Allez, je vais essayer ça. J'aurais jamais pris cette carte là, mais vas-y, on va essayer un truc un peu différent. Essayons des trucs un petit peu différents. Ok. En réalité, je sais plus si c'est dégâts faut... dégâts x 3 du coup, ouais. Mais c'est pas si facile à use, je pense, en vrai. Je peux pas faire ça. Je serais giga perdant en vrai. Il a 3 de bonus attaque. Ok. Inflige 12 points de dégâts à tous les ennemis, terminez votre tour. Ça c'est pas mal, faut juste pas que je fail. On a vite, j'ai vite tendance à fail avec cette carte. Alors... Oh j'ai troll. Oh j'ai giga troll bordel. Oh j'ai giga troll bordel. Je vais regarder ce pour enlever la forme. OMG merde. Et merde. J'ai 42 damage, il meurt pas.
Si j'ai plus, c'est 15. Ok. Alors, inflige 7 points de dégâts sur une autre carte et une attaque. Gagné. Ça, ça me va. C'est littéralement un truc gratuit. Quelle carte vais-je améliorer? Lorsque vous piochez cette carte, ajoutez 3 miracles à votre main. Épuisez cette carte. Elle est vraiment pas si mal cette carte. Elle est vraiment pas si mal. Avoir retenu sur cette carte, c'est pas non plus nul, je pense. Je pense que la meilleure carte à up, c'est celle-là. Ou celle-là ou celle-là. Je vais upper la faiblesse. Gagner 75 d'or, récupérer doute. Est-ce que j'ai beaucoup de shop? J'ai pas beaucoup de shop, j'ai pas envie, j'aime globalement pas avoir des cartes de merde. Ça me casse les pieds. Ok. Super. Ok. Ok. J'ai mal joué, j'aurais dû focus lui. C'est acceptable. Alors. Je vais devoir tanker ça. Pas dingue ça. Ok. Des dégâts là, j'ai mal géré mon focus, mon rune. J'ai vraiment mal géré mon rune. J'ai troll. Bon, c'est pas très 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 grave en vrai, mais c'est du troll quand même. J'ai perdu pas mal de PV pour pas grand chose, c'est dommage. Mantra 2, gagner. Mantra 3, gagner 4 d'armure. Infliger 8 points de dégâts. Si la dernière carte jouée est une compétence, appliquer une vulnérabilité. Ok. Une fraîche, je sais plus ce que ça fait. Mon DPV max, ok. Gagner 100 d'or. Faire un boss. Oh merde. Lui, je crois que c'est les compétences. Les attaques, c'est ok pour lui, mais les compétences, c'est la merde. Quasi sûr. Alors, je vais clairement lui mettre de la faiblesse. Et je lui ai fait mal en vrai. Alors, potion quand même. Jouer les 3 cartes au-dessus de votre pioche. 10 points de dégâts, 5 de force, ok. Bon, bonne nouvelle. Ah merde, j'avais oublié que ça le buffait, putain. Ça, c'est une compétence aussi. Réussi, hein. Jouer 3 cartes au-dessus de ma pioche, ça peut vraiment me baiser. Si je trouve la divinité et que je peux pas le kill, je peux en mourir. Infliger 7 points de dégâts à chaque ennemi en combat. À chaque ennemi en combat. Pour chaque ennemi en combat. Ah non, ok, d'accord. Ça se stack, ok. Retenu, inflige 4 points de dégâts 2 fois. Ajoutez une carte à votre défausse. Retenez-la. Ça, globalement, je pense que c'est vraiment bien. Ok. Alors. Oh non, j'ai troll. Oh, j'aurais tellement dû utiliser ça pour sauver des points de vie. Oh, j'ai tellement troll. J'ai joué trop vite, ça fait chier. En vrai, j'ai joué trop vite, ça fait chier. Merde. Bon, j'ai perdu des points de vie, c'est pas grave. C'est gênant, mais tant pis.
Putain, fais chier, je perds des points de vie pour rien. Lorsque cette carte est créée pendant un combat, améliorez-la. Lorsque cette carte est créée pendant un combat, améliorez-la. Lorsqu'une carte, pardon, est créée pendant un combat, améliorez-la. Ok. Ouais, c'est marrant. Est-ce que c'est mon dernier slip? Je crois pas. Alors... Ouais, ça pue la merde, l'évolution. Je vais prendre ça, je pense. Ça, je peux le faire à tout moment pour essayer de le finir. Ou alors je prends ça, mais c'est pas ouf. Ou alors je prends vulnérabilité de... Ça, c'est bien aussi. Je vais faire ça pour l'instant. On va mettre des malus. J'aime bien les malus, globalement, dans le jeu. Je trouve les debuffs et les buffs, c'est pas mal. Alors... J'ai un truc qui pioche des cartes. Ah, je sais pas où je dis carte, piocher une carte. Ok. D'accord. Alors. Infligez 4 points de dégâts. Sort de votre défausse pour revenir dans votre main lorsque vous changez de position. C'est pas nul, hein. C'est vraiment pas nul. Même si j'ai pas de première de changement de position, c'est pas si mal. On va dormir même si j'aurais bien aimé ne pas dormir. Ok, bon. Ah, c'est-à-dire que deux tours? Ah non. La game. Exterminé. Exterminé. Wouah, sa mère les dégâts. Oh, sa mère les dégâts qui me collent, ce fils d'up. Wouah, oh le bâtard. On va faire ça pour qu'il change de stance. La épine. Une épine, pardon. Je sais pas si je vais créer une carte en réalité. Alors. Bon, ça, ok. Vulnérabilité, ça. Et là, je m'arrête là, hein. Et puis pour les PV qu'on va perdre. Ok. Bon, ça, ok. Ça, ok. Ça, ok. Oh merde, j'ai troll. Bon. Je suis pas un miracle pour rien. Alors. Il est temps. Là on va lui faire mal là. Alors on va lui faire très très mal. C'était pas la meilleure idée de tout mettre d'un coup. Ajouter deux miracles. Il en meurt normalement. Alors je vais faire ça, bon ça sert à rien, ça change rien. Ok. Oh non, pas encore. Ça ou ça. C'est mis à 30 points, à 30 points de vie ou moins, descendez ses points de vie à 0. Oh merde. Oh merde, j'avais exprès, je voulais vouloir voir l'amélioration, je crois que c'est 40. À la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Non, c'est nul. Double l'égacité des potions, non. Remplace l'eau pure au début de chaque combat. L'eau pure c'est quoi? Au début de chaque combat, ajoutez un dans votre main. En gros, ça lui donne plus de miracles quoi. Putain, tout est à chier sa mère. Tout est giga à chier. Tout est giga nul, putain. C'est dur. Ok, on va éviter les combats et on est parti. Petit son de quille. Non, j'ai 5 miracles, je suis mort.
Je sais pas si ça m'empêche de droit en vrai. J'espère que non. Ok. Magnifique. On a eu quoi? Les trois cartes au-dessus, ok. Ça c'est pas si mal. Ça c'est pas si nul non plus. Allez. On va plutôt plus prendre trop de trucs, mais bon. Alors. Ça fait 17, ça marche. Elle coûtait 2, je crois, la truc qui fait... L'attaque que je viens de faire, je crois qu'avant elle coûtait 2, il me semble. Bon, j'ai un peu troll sur un truc, mais bon, c'est pas très grave. On n'est pas 3 après, je pense. Alors, prenez la position colère quand vous quittez. Nanana. Ouais, je m'en fous de changer de position. En plus, j'ai 8 dégâts à tous les ennemis, pas mal. Oh, 10 dégâts, waouh. C'est pas mal, hein. Tout est bien. Tout est vraiment bien. Oh non, pas lui. Oh bordel, sa mère. Oh bordel, pas lui, putain. C'est sûrement un des pires mobs. Je le déteste, lui. Ah, lui, je le hais, lui. En gros, ça random les coups de mes spells, genre. Mais c'est un enfer, je trouve. Des fois t'as de la chatte et du coup c'est trop bien, mais comme moi j'aime bien faire des bulles, on va dire, pas trop chères. Souvent c'est juste cauchemardesque, genre. Ok, en vrai mon bulle marche bien quand même. On va probablement rien jouer, peut-être que je joue ça pour le switch colère. Et j'en prends un, j'ai aucun changement de position sinon. Acheter une potion. Acheter. J'ai acheté une potion, mais on s'est vraiment osé tirer. Ok, on espère un shop. On va enlever une attaque, on s'en branle. Ensuite. Quand vous cassez l'armure d'un ennemi, appliquez 2 vulnérabilités. Pas mal. Quand vous vous reposez, récupérez 15 PV supplémentaires. Au début de chaque combat, récupérez 2 points de vie. Pas trop mal. Non, ça c'est les potions. Alors, lorsque vous entrez en colère, piochez 2 cartes. Après, j'ai qu'un seul truc de switch colère. Infligez 20 points de dégâts. Si l'ennemi succombe, vous gagnez 20 d'or. Ok, bon. Ouais, pas fan. J'ai pas envie de recruter, j'ai la flemme, ça prend trop de temps. C'est pas mal en vrai ça. Ok. Topiqueur. Alors, Topiqueur, mon petit pote Topiqueur. Ok. Ok, ça me dérange pas. Je qui... Donc ça c'est... Derrière, c'est une attaque. Donc ça, ça marche. Je vais faire ça. Ok, on prend 15 dégâts, mais tant pis. Pas le choix. Là, est-ce que je le tue? Donc j'ai 10. Alors, est-ce que je le tue? J'ai assez de mana. J'ai 3 de mana, j'ai 6 de mana. Ça me coûte 2, 3, 6. J'ai 10 plus 22, 30.
32, 32, 32 plus 26, 58, 58 plus 42, il meurt. Ok. J'avais oublié cette carte en plus. Faut pas que je me plante de l'or par contre. Encre, c'est quoi? Vous commencez chaque pain avec 10 d'armure. Ok. Gagner 10 d'armure, ajouter une perspicacité. Ça, c'est pas mal. Alors, on va améliorer des cartes. Quelle carte on améliore? Est-ce que c'est celle-là? 26 dégâts, c'est pas si nul. Ça, 40 dégâts, c'est pas mal. Ça commence à être pas mal, cette carte. Elle est pas incroyable, mais bon. Attends, je vais voir, parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Waouh. Waouh. Les cartes à épuiser ont 50% de chance d'être juste défaussées, OMG. OMG, c'est méga broken. Ça, c'est fort de fou. Shuriken, c'est fort de fou. Ok, j'ai clairement des bons trucs. Alors... j'ai troll, j'ai fait une erreur. Ok, alors on va rien prendre, je pense. Trop cher. Trop cher, trop cher. Ok, quelle carte on améliore maintenant? 14 points de dégâts, c'est pas dégueu. La faiblesse, c'est pas mal, mais on en a déjà. Ça, ok, mais on s'en branle un peu. Ça, c'est pas si mal. Ok, un miracle de plus. Bon, c'est pas un truc de fou, mais... it's not that bad. Ok. Alors, voyons voir. Ok, il a 14 de shield ce bâtard. Il a vraiment un shield de fou malade. Hein. Fait mal, ton culé. Ok, ça c'est quoi? 4 d'armure plaquée. Défaussez autant de cartes que vous voulez pour en piocher autant. Alors. 21. Je commence à perdre des points de vie. Ça m'arrange pas trop. Je sais pas si miracle ça s'améliore. Je sais pas si c'est améliorable entre guillemets. Ok. Alors, faut que j'utilise les pouvoirs. Gagne 14 d'armure. Si vous êtes en colère, gagne... ouais, non, ça m'arrange pas. Je vais rien prendre. Alors...
d'un point de vue ultra stratégique, faudrait que je commence par taper le haut pour sauver des trucs, mais bon. Au début de votre tour, gagnez 2 de mantra. Ouah, c'est énorme ça. C'est une dinguerie ça. Et ça va sûrement être 3 de mantra en plus quand ça va être amélioré. À moins que ça va baisser le coup de mana, on va voir. C'est incroyable, c'est OP de ouf. Bon, eh bien, allons-y. Alors, c'est le moment où on peut mourir. 4 d'armure plaquée. Bon. Là, on a des problèmes. Il y a 3 artefacts en plus, l'enculé. Oh, bordel. Je vais encaisser un. C'est dur, là, je vais prendre Bagdad. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est très très dur. On n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ma main est pleine, on n'est pas bien du tout. Oh merde. Oh j'ai troll. Oh j'ai fait de la merde là par contre. Putain je suis mort ou pas? Non je suis pas mort, ça me fera 20, j'aurai assez d'HP. Ah. Oh le tour. Oh le tour de fou que je leur ai mis par contre. Wow. Est-ce qu'il y a vraiment pas mal de cartes améliorées? En vrai oui. Hein. C'est quoi une carte bêta? Je sais pas ce que ça fait ça. Je me demande ce que ça fait. Vas-y, je suis curieux les gars, j'ai envie de voir. Je connais pas. Ok. Bonjour tout le monde, yo bro. Bon. C'est parti. Et c'est parti pour le rush. Ah.
Oh merde. Non, c'est pas grave, ça change rien. Potion de régénération, ok. Appliquer 11 marques. Tous les ennemis perdent des PV équivalents à leur marque. Ok. Ça marche. Je sais plus trop comment ça marche ce truc. Ok. Ok. Allons-y. Protection retenue. Je pense que ça fait en vrai alpha et tout. Ouais, j'ai hâte de voir. La carte alpha va créer une nouvelle carte bêta et ensuite une nouvelle, il me semble, et après tu vas avoir une carte pétée. Ouais, j'imagine, t'inquiète pas, je me doutais bien que c'était pour avoir un truc fort, hein, mais... Ouais, je me demande quel truc fort, quoi. À quel point c'est fort, tout ça. Alors, Iné, au début de chaque tour, inflige ajoutez gifle à votre main. C'est pas mal ça. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a un truc plus important? 200 gold seulement. Ok, commencez la... chaque élite avec non. Ensuite, tu es. Non. Ok, j'ai plus beaucoup de cartes, c'est pas mal. Ok, on va faire ça pour tester du coup. On n'a pas grand chose à perdre là. Oh merde. C'est pas très très grave. Alors, il y a un truc qui fait 15 ou pas? Non. J'ai un truc qui fait 16, ça ira. Putain, c'est ouf quoi, parce que ça fait que je peux récupérer les trucs dans mon truc, c'est pas si nul en vrai. Hein. C'est vraiment pas si nul. C'est pas ouf ouf ouf, mais c'est pas si nul. Ok. Barre les numéros, y'avait pas ça tout à l'heure, si? Y'avait déjà les numéros depuis tout à l'heure? J'ai même pas vu, putain. S'il y avait, j'ai même pas vu. Oh merde, j'ai troll. Je vais me prendre Bagdad. Ouais, c'est un vert tubé aussi. Ah, y'avait déjà? Ok, ok. Je viens de perdre tout le heal que je viens de claquer, je suis complètement con. Ah, j'ai un peu troll là. Ça c'est pas si mal pour OTK en vrai.
Récompense relique. Bah, bien sûr que je combats. Bien sûr que je me combats, mon pote. Bien sûr. Y'a aucun monde où je me bats pas. Oh merde, j'ai troll. Bon, c'est pas trop grave. Ouais, c'est chiant quand même, hein, putain. Ah, putain. Ah, c'est dur, on va prendre des dégâts de fou, là. Et là, c'est pour les seuls gars sur Kick, ça régale. On touche tout en plus, donc c'est vraiment big. Ok. Alors, ensuite... Oh, bordel de merde. On n'a pas bien joué, mais... Moi, j'aimerais pas de points de vie en combat. Ouais, c'est pas mal, ça. Point Vito, je l'ai pris, non? Il me semblait que je l'avais pris, point Vito. J'ai pas pris point Vito? Ah non, j'ai pas pris point Vito, j'ai pris l'autre. Non, j'avais pris l'autre. J'en ai touché, il prend une grosse part. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Mais peu de gens sub du coup. Normal, oui, les gens s'en foutent, je comprends. C'est normal. C'est pas leur dos, quoi. Ce qui est légitime. Alors... Oh, j'ai pas trouvé un... Oh bordel, attends, mais quoi? Wesh, il va me mettre des dégâts de fou. En espérant trouver des cartes qui peuvent m'aider. Absolument pas. Envie de pleurer. Envie actuellement de chialer. Putain, c'est dur, hein. Putain, sa mère, il fait tellement mal s'enculer. Alors... Bon, c'était chaud, hein. C'était chaud, on a pris cher. Inflige 9 points de dégâts, non, gagner 4 de mantra, ajouter une perspicacité, ça c'est pas mal. Pas mal. Waouh, là c'est les shows en vrai. Double élite. On est dans la merde, hein. Oh merde. Oh merde, je sais plus trop ce qu'il fait. Je crois qu'il faut juste survivre, non? Ah non, oui, d'accord. C'est quand je lui fais des dégâts, il perd de la force. Donc faut essayer de lui faire les dégâts tous les tours, quoi. Si t'as pas de dégâts tous les tours, t'es vite dans la merde. Hop. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. N'a jamais été aussi vrai que sur ce boss.
Bon. On n'est pas fort heureux, mais je crois que c'est le dernier tour là. Je crois que c'est vraiment le dernier tour. Ok. Alors, infliger 11 points de dégâts si l'ennemi compte attaquer, entrer en calme. Pas trop mal en vrai. Ok, les connards. Eux, c'est les connards, on les connaît. 3, ok. Ça, c'est quoi cette vulnérabilité, ouais? Beaucoup de dégâts là, sa mère. Il y a beaucoup de dégâts. Je suis bien baisé. Ah bordel. C'est chaud. C'est chaud de fou là. C'est très chaud même. Putain, je suis emmerdé. Je vais prendre ma gamme là. Aïe aïe aïe. Jugement pour le kill. Ça, ok. Mais là, il faut réussir à lui tabasser les boules. Ok, là je récupère de la mana. Et je lui fais 80 dégâts. Pas mal, pas mal, on a pas mal joué. Ça c'est pas si nul maintenant que j'ai potentiellement pas mal de mana avec les mantras. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. On va ça tranquille. Ça c'est 21. J'ai pas de solution. Bon. À l'aise, l'aise. Bon, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud sa mère. Alors, Pertou Autor obtient une relique. À tous les jours. Au début, Gouma applique et flèche tous les ennemis. C'est trop nul. Bon, faut que je trouve le maximum de points de vie là sur ce rune, parce que c'est la merde là. Ok. Là, j'ai pas beaucoup de shield en vrai, hein. C'est la merde. J'ai tellement pas de shield.
10 HP, terrible. Bon, bah on est dans la merde les gars. Oh merde, putain, j'ai pas fait exprès. Oh merde, j'ai misclick ma carte, on se parle. Bonne chance à tous, c'est le boss de fin. On est dans la sauce. Oh bordel. Qu'est-ce que les cartes pouvoir? Pas très bien. Là, je peux rien jouer sa mère. Et merde. Je crois que je dois le tuer deux fois, mais je sais plus trop ce boss, je connais plus trop. Je connais plus trop trop. Je crois qu'on va perdre les gars. Qu'on va giga lose. Le deck c'est de la survie quoi, mais je survole pas du tout la game. Là, je suis giga mort je pense. Oh merde, je meurs quand même du coup? Ouais, je meurs quand même. Ah! Oh.